Bonjour, aujourd'hui nous allons jouer à la marchande. Alors, il vous faut du matériel à vendre. Alors moi je suis une libraire, vous avez remarqué, je ne vends que des livres. Donc je suis une libraire. Et il vous faut des pièces pour commencer le jeu, des pièces de 1 euro. Mes livres sont étiquetés, ils coûtent entre 2 et 8 euros chacun. D'accord, je les ai étiquetés, j'ai mis leur prix. Bon, j'ai des prix qui frisent. Voilà. Et pour commencer, vous donnez 8 pièces de 1 euro à votre enfant et il va choisir un livre et devoir vous le payer en pièces de 1 euro. Donc, on joue avec on fait quelques tours avec les pièces de 1 euro. Un coup, c'est l'enfant qui est la marchande, un coup, c'est vous la marchande. On peut échanger les rôles et on s'amuse à faire les sommes avec des pièces de 1 euro. 4 euros en pièces de 1 euro, 6 euros en pièces de 1 euro. Puis, une fois que c'est bien compris, on ajoute des pièces de 2 euros à notre porte-monnaie. D'accord? Et cette fois-ci, votre enfant peut prendre deux objets, deux livres et faire la somme qui correspond avec les pièces. Alors, il faut bien lui faire remarquer qu'il y a écrit un 2 sur les pièces de 2 euros et un 1 sur les pièces de 1 euro. Et alors, attention, parce que ça, certains enfants pensent que cette quantité-là de pièces fait 3 euros puisqu'il y a 1, 2, 3 pièces. Pas du tout. C'est 2 euros et encore 2 euros, je vais mettre du bon côté, et 1 euro. Ça fait 5 euros. Donc là, il faut faire prendre conscience aux enfants de la valeur des pièces. Voilà, donc je voulais jouer à la marchande. Vous pouvez prendre au tout début avec des pièces de 1 euro qui comprennent bien le principe et ensuite on intègre les pièces de 2 euros au porte-monnaie et on essaye d'inciter les enfants à utiliser des pièces de 2 euros pour faire la somme attendue. Amusez-vous bien !